Oh putain. Quel jeu de merde, putain. Ok, yo les gens, c'est Injax. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 7 de RL Craft. Bon, ok, j'ai eu des petites complications. Je me suis fait agresser juste pour dormir par un putain de Reaper, mais bon. Ok, bon. Vous avez pu voir, je suis dans ma nouvelle maison. Vous me l'aviez beaucoup demandé et j'ai décidé de transférer tout mon stuff dans cette maison parce que c'est vrai qu'elle est déjà 10 fois plus stylée en fait. Donc c'était pas une mauvaise idée. Bon, et j'ai fait ça en off, hein, vite fait, hein, tranquillou. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est une grande question. Aujourd'hui, les amis, j'ai décidé d'aller me chercher mon œuf de dragon. Alors, vous êtes en train de me dire, ouais, Ninjax, c'est trop compliqué. Ninjax, on te rappelle que les dragons de niveau 4 et 5 sont 5 fois plus forts que les dragons de niveau 3. M'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Avec la ténacité, les amis, on peut tout faire. Alors, en plus, vous m'avez été franchement utile dans les commentaires. Je vais pas vous cacher que ça, c'est extrêmement incroyable. Ça fait vraiment plaisir. Hein. Continuez à mettre des commentaires, je les lis tous. Bon, dans les commentaires, vous me disiez de faire un Dragon's Eye. Vous avez été, je ne sais pas combien me le dire. J'ai vu, vous en faites pas. Alors, de ce que j'ai compris, ça sert à tout simplement empêcher que les dragons t'attaquent. Et ça, c'est putain d'incroyable. Si les dragons m'attaquent plus, bah moi, je peux les attaquer en premier en traître. Vous voyez le délire? Donc, je pense que je vais essayer de crafter ça aujourd'hui. Et dans un deuxième temps, je vais essayer de chercher un dragon niveau 5 ou 4. Je m'en fiche. À ce qui paraît, les deux niveaux 4 et 5 drop des œufs. Puis aussi, j'ai vu une autre technique pour tuer les dragons, c'est abuser. Genre vraiment abuser. Vous voyez, j'ai un hippogriffe derrière moi. Et bah en fait, si on tourne autour du dragon, on lui tire des flèches. Il nous touche jamais le dragon. J'ai vu ça sur la vidéo d'un anglais, je me suis dit, oh putain, c'est trop bien. Donc je pense qu'on va faire ça pour... D'ailleurs, je peux dormir maintenant. Donc je pense qu'on va faire ça tout simplement pour aller tuer des dragons niveau 5 ou 4 et obtenir enfin un œuf. Alors, j'ai eu des commentaires extrêmement utiles aussi, comme quoi on pouvait faire des slime balls à partir de lave et d'eau. Alors je ne sais plus si c'était le commentaire de qui, je l'ai vu dans la nuit ça. Vous savez ce que j'ai oublié là? Bah, j'ai oublié ma table de craft. Voilà, dans mon ancienne maison, j'ai oublié ma putain de table de craft. C'est pas grave, on va la refaire, hein. C'est pas un souci, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ah oui, putain, on n'est pas dans Minecraft normal. C'est pas comme ça qu'on fait une table de craft, ça fonctionne pas. Oh, je vais la chercher, je m'en bats les couilles. C'est vraiment pratique, un griffon quand même. Hein. Eh, y a mes chiens ici, venez, suivez-moi. Saloperie d'arbre, laisse-moi passer. Voilà. Donc ouais, comme vous avez pu voir aussi, j'ai fait une genre de niche. Bon, niche, on va dire ça, c'est un grand mot. Pour mon griffon, hein, tout simplement. Hein. J'ai cassé le truc qu'il y avait ici et je l'ai foutu ici, je trouve ça rend bien. Et mes chiens sont là, nickel. Ouais, bon, les chiens, vous avez compris, ils iront jamais à l'aventure. Hein. Ils sont juste là pour m'assister moralement. Que je vous rappelle que RL Craft, c'est traumatisant un peu quand même. Ok, bon, je vous rappelle aussi que dans le dernier épisode, on était allé dans le Nether pour récupérer de la Nether Wart qui est ici, donc des verrues du Nether. Et j'avais un alambic de fée normalement. J'avais plein de bâtons de blaze aussi parce que, en fait, il y avait que les verrues du Nether que je ne trouvais pas dans le vrai monde. Ok, on va foutre ça, je sais pas, ici, on s'en fout en vrai. Il me faut des fioles, normalement des fioles j'en ai. Voilà, là j'en ai 3. Alors, je vous rappelle que j'avais cheaté pour obtenir ça. D'ailleurs, merci de m'avoir dit dans les commentaires que j'étais un cheater. Bon, c'était la vérité, donc je vous en veux pas. Vous en faites pas, je vais le recrafter en vrai là et je vais jeter un des deux. Voilà. Là là là, les joies du Minecraft vanilla. Oh merde, oh merde. Je crois qu'il faut de la crème de magma. Magma cream là pour Oh merde. Attendez, attendez, on va regarder les coffres. Hein. J'en ai peut-être dans mes coffres. Hein. Je sais pas, hein, on va voir. Ah, j'ai pas l'impression que j'en ai. Putain, ma vie est nulle. C'est mort les mecs. Les mecs, j'en ai pas. Hein. C'est foutu. Hein. Ah putain, c'est mort, hein. J'en ai pas. Hein. C'est obligé, j'en ai pas. Hein. Bon bah, le plan tombe à l'eau. J'avais oublié qu'il fallait des magma cream, mais tu sais même pas si ça existe, les magma cubes dans ce monde là. J'en ai pas vu un seul pendant que j'étais allé dans le Nether. Bon, pff, allez, moi je suis legit les gens. Et vous savez ce qu'on va faire, on va jeter ça. Voilà, il est perdu dans l'oubli. Et je ne le retrouverai jamais, à moins que je me le crafte. Je crois que ça, ça fait des potions de puissance, on va bien voir, j'ai envie de dire. Je sais même plus. Tellement longtemps que j'ai pas fait des potions dans Minecraft que voilà. J'ai des potions de force. Bon, pour faire le Dragon Eye, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des épées en diamant, ça c'est simple à faire, on va les faire. Épées en diamant, c'est fait. Après, il nous faut des Glowing Ingots. C'est un peu plus compliqué à faire, mais ça se fait facilement aussi. J'ai pile assez pour faire les 4 Glowing Ingots. Heureusement, hein. Il manque juste un de fer, je ne sais pas où je vais en trouver. Voilà, j'ai mes 4 Glowing Ingots. Il reste plus qu'à faire une Ring of Enchanted Eyes. Ok, et j'ai l'anneau. Normalement, je peux tout faire. Donc, si je fais ça, je clique ici, il manque juste la tête de dragon. La tête de dragon, je vous rappelle qu'on en a tué deux, hein. Oui, j'ai enfin le Dragon Eyes. Et en plus, ça me donne 3% d'attaque en plus. Ok, ça se met à la tête. C'est un peu con, ça veut dire que je perds mon Broken Heart. Le Broken Heart que j'ai eu dans l'épisode d'avant, hein, il était vachement pratique parce que, en fait, il m'empêchait de mourir. C'est comme un totem de résurrection dans Minecraft, en fait. Ok, bah au final, bah j'ai réussi à le faire, ce Dragon Eyes. Et j'ai envie d'aller le tester. On va essayer d'aller chercher des dragons et on va voir s'ils m'attaquent. Et s'ils m'attaquent pas, bah on va les attaquer dans le dos. J'ai des potions de force, donc c'est parfait. On va prendre le stuff en diams pour ça. J'ai pas envie de prendre mon stuff en... Comment ça s'appelle? En dragon. Alors, on va aller explorer par là-bas. Je suis pas allé par là-bas, je pense pas. Non,
Non, j'y suis pas allé. Et c'est parfait vu que déjà là il y a une tanière. Bah, une tanière. Il y a un feu de dragon ici qui a été fait. Et il y a une énorme montagne. Après, pour trouver les dragons, là ça va être un peu plus compliqué. Alors, si j'ai bien compris, les dragons vivent dans les caves ou une connerie comme ça. Oh, il y en a un là. Il tire sur moi ou pas? Oui, il tire sur mon griffon peut-être. Il tire sans doute sur mon griffon. Ok, lui il balance des cubes. Me dis pas que c'est un dragon amélioré au niveau genre. Ok, on va faire une petite repli. J'ai oublié de prendre mon arc. Allez, on y retourne à l'aventure. J'espère que je vais pas me faire exploser la gueule, mais bon. En plus, je sais pas pourquoi j'avais l'impression que ce dragon il était quand même pas mal fort. Regardez, il crame toute la forêt. Il me fait freeze ce con là. T'es où? Je te fume. Il a disparu, je le vois plus. On va suivre les traces de flammes. Hein. Ah bah tiens, il y en a un autre là. Ouh, il y en a un vert là. Lui aussi m'a l'air d'être assez violent. Ok, on va le fumer. Alors, tu peux rien faire, hein. C'est la meilleure technique, les amis. Bon, par contre, j'ai pas des flèches à l'infini, donc c'est un peu chiant. C'est un combat épique. Oh putain, il me balance des cubes de magma, c'est un truc de ouf. Tiens, bouffe. À votre avis, est-ce que je peux l'attaquer au corps à corps? On va essayer de l'attaquer au corps à corps. Ok, je peux pas l'attaquer au corps à corps, il est immortel. Ce qu'on va faire, on va aller chercher des flèches et on va continuer à l'attaquer, hein. Parce que bon, hein, c'est la seule solution. Alors, ce connard de dragon, hein, pendant que je suis en train de faire mes flèches, il a niqué mon hippogriffe. Génial, merci. Et regardez toutes les flammes. Toutes les putains de flammes qu'il y a. C'est à cause de lui ça. C'est pas grave, j'ai des flèches. J'en ai 41, ce qui devrait suffire largement. On va le retrouver, on va le fumer, hein, c'est tout, hein. Regardez-moi toutes ces flammes. C'est pour ça là mon jeu il rame là. Mais c'est à cause de toutes les flammes. Et j'ai perdu la trace du dragon, putain. Ah, il y a un genre de truc dans le ciel, on va aller voir. J'ai même pas cramé. Dragon's Roar. What the fuck, il se passe quoi? Il se passe quoi là? Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe? Parce qu'il y a eu un truc Dragon's Roar mon cul là. Ok, bah génial le coffre. Waouh. Coffre dans le ciel juste pour ça. Waouh, nickel. Oh, what the fuck? What the fuck? C'est quoi tous ces dragons? Pourquoi c'est des dragons? Je connais pas non plus. What? Non! Non! Ah! Oh putain, je suis mort. Putain de touche pour descendre. J'ai confondu la touche pour descendre et m'accroupir. On va recommencer. Hein. 10 seconds later. Il y a des monstres chelous. Regardez-moi ça. Je suis mort là. Oh putain de merde. Ok, Dragon Roar is no longer spawning mob. Mais what the fuck, c'est un coq géant. Mais c'est quoi ce truc? Ok, on s'en fout. On va juste récupérer le stuff. J'ai pas envie de mourir, hein. J'ai pris 5 minutes pour revenir ici, hein. Ok, c'est bon, j'ai récupéré mon stuff. J'ai pas mon arc par contre. Oh, ce machin il me fait flipper, je m'en approche pas. Il y a mon hippogriffe qui est juste là, ok, ça c'est une bonne nouvelle. Mon arc il est là, ok, c'est bon, nice. Oh, j'ai cru que je l'avais perdu. Il y a full truc dans le ciel. Vous savez, il y a un autre monstre ici là, what the fuck. Vous savez, ce monstre il me fait penser à quoi là? Ça me fait penser à une cocatrice dans les MMO. Ah bah c'est ça, cocatrice. Par contre, il vient sur moi là. Ça bug mais je vais te niquer. Bon, c'est pas épique avec les bugs, mais je l'ai eu. Ouais, voilà, il est mort. Bon, au pire, eux, on s'en bat les couilles. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est retrouver le dragon auquel j'étais en train de buter tout à l'heure, là. Je lui ai enlevé pas mal de vie, hein, je crois. Hein. J'aimerais bien le retrouver pour le finir, là. Si c'était un dragon niveau 4 ou 5, bah, il va me donner un 9, lui. Donc, faut pas le lâcher. Je crois que son territoire, c'est par là. Hein. Je suis pas sûr, mais il y a full flamme partout, donc j'ai envie de dire. J'ai peur de voler, là aussi, avec ces créatures, là, dans le ciel. Bah, pour l'instant, il m'agresse pas, donc on va pas aller. Ça bug de ouf à cause de toutes les flammes. Mec, il a cramé 80% de la forêt. Qu'on fasse aussi. Oh, il est là. Oh, calme-toi. Il tourne en rond. Là. Non, mais putain, j'en ai marre de. Ok, c'est bon, je suis pas mort. Ok, là, je peux le finir, je pense. Ok, bon, il est là, il est tout seul. Je sais pas ce qu'il fait, il tourne en rond comme un cinglé. On va le tuer. Hein. Il m'a vu. Faut que on monte là-dessus. Non, je commence à stresser, les amis, c'est pas ouf. Ok, on va essayer de le finir comme ça. Hein. Je crois qu'il est bugué. Attendez, je suis pas sûr, mais je crois qu'il est bugué. Ok, là, il est débugué. Oh, putain. Envole-toi. Envole-toi! Ça bug trop, je peux pas m'envoler! Ok, c'est bon, je vais le finir au corps à corps. Je peux le faire! Il est mort! C'est vrai que j'ai résistance au feu, c'est quand même un peu plus facile avec, hein. Ça me fait zéro dégâts en fait, les flammes. Regardez, je suis un cheater! Je bug de ouf! Oh là là, ça va être le pire épisode niveau bug, je pense, lui. Avec eux là, regarde, lui, il fait du surplace. Il fait du putain de surplace, lui. Bon, en tout cas, on s'en fout. J'ai réussi à le buter, lui. J'espère que c'était un dragon de niveau je sais pas combien. On va le voir de suite. C'était un dragon de niveau... De niveau 3, yes! J'ai perdu mon temps pour rien. Putain, j'ai perdu tout ce temps pour rien, quoi. Bon, c'est pas grave. On va juste essayer d'entrer à la maison, là, parce que, bon, voilà. J'arrive même pas à voir. Ouais, bah nickel, il y a des bugs de fou maintenant. Bon, on se retrouve quand je suis à la maison. Oh, ça frise trop. Bon, les amis, je suis retourné à la maison, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus mon hippogriffe.
Bah il est mort. Ou non, en fait je sais même pas où il est, je l'ai perdu quoi. Ça fout un peu le seum, mais c'est pas grave. Ça a tellement bugué, c'était... Je pouvais rien faire en fait. Maintenant, je sais que je peux résister aux dragons. Ce qu'on va faire, début prochain épisode, je vais trouver un dragon niveau 4 ou 5. Et en gros, dès le début, bah vous me verrez en train d'affronter un dragon niveau 4 ou 5. Parce que bon, hein, c'est bien joli, mais bon, si je fais ça, là il y a eu trop d'événements chelous. Il y a eu le dragon roar, il y a eu 6 mobs qui ont pop sur ma gueule, des dragons. Je me suis fail entre descendre et shift, donc m'accroupir. Que ça, je suis mort, c'est génial. Dans ce cas, les gens, c'est Injax. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas de lâcher un like, de partager et de vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez, ciao les gens. Putain, mon hippogriffe, j'ai le seum. Genre vraiment, j'ai le seum, quoi.